Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Parole de citoyen. À bord de notre beau combi de légende, nous continuons à sillonner les routes de Bretagne à votre rencontre pour vous donner la parole. Étape aujourd'hui dans le centre Bretagne et précisément sur la commune de Poulaouen. À 10 km de Carhaix, la commune nouvelle de Poulaouen peine à attirer de nouveaux résidents. La ville compte 1500 habitants, dont 240 à Locmaria-Bérien, le village voisin. Depuis un an, les deux communes ont fusionné, un mariage qui ne fait pas que des heureux. La ville a été marquée aussi par la fermeture, il y a 5 ans, de l'usine de transformation de saumon Marine Harvest, qui a laissé plus de 150 personnes sur le carreau. À Poulaouen, le taux de chômage s'élève à 8,9% et 38% des Poulaouennais ont plus de 60 ans. Au niveau nature, c'est une nature formidable, exceptionnelle. C'est un très beau pays. Je suis venu en vacances dans le coin il y a 13 ans et j'ai tellement aimé que j'ai décidé que c'est là que je voulais vivre quand je serai à la retraite. À part la gravate, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus tellement de travail dans la région déjà, mais ça fait. On tiendra. Il y a 30 ans de ça, ce village était composé de beaucoup de commerçants. À l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les grandes structures qui se sont construites sur Carhaix, les magasins ont fermé, quoi. Moi, j'aime pas du tout ce village. Il n'y a rien. Là, il y a un boucher qui vient de s'installer. Mais sinon, il n'y a rien. Je fais 15 km le matin, moi ou mon conjoint, pour envoyer un de nos deux enfants chez une nourrice. Mais on arrive quand même à s'organiser, donc rien n'est impossible ici. Moi, je suis très contente d'y aller, je ne voudrais pas changer. Après, c'est vrai que je ne vous cache pas que moi, je recherche du travail. C'est vrai que ce n'est pas facile d'en trouver sur le territoire quand même. Si je peux éviter de quitter, ce serait un échec de partir d'ici. Pour attirer les commerçants, la communauté de communes met à disposition des locaux à loyer modéré. Nous sommes sur la rue principale de Poulaouen et c'est une nouvelle qu'on attendait ici, l'ouverture d'un nouveau commerce. Je suis avec Thierry Hervieu, vous avez choisi Poulaouen pour ouvrir votre boucherie. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà je suis originaire de Poulaouen avec le papa qui est né à Poulaouen, la maman qui est née à Pounévédel. Donc je reste dans mes origines en fin de compte. Voilà. Et j'habite Poulaouen, quoi. Vous arrivez ici, j'imagine, plein de d'optimisme. Tout à fait, autrement je ne l'aurais pas fait. Ouais. Mais bon, c'est un commerce, la boucherie sera ouverte que le matin, et l'après-midi j'ai une autre activité où je découpe beaucoup pour les agriculteurs, quoi. Voilà. On dit souvent que ce n'est pas facile d'ouvrir un petit commerce de proximité dans les bourgs à quelques kilomètres de grande surface. C'est quoi votre position là-dessus ? Mes positions, se démarquer déjà des grandes surfaces et avoir des produits locaux, tout simplement. Voilà. De la qualité ? La qualité, les produits maison et les produits locaux. Des bêtes achetées, on a assez de bêtes ici dans le coin, on a assez d'éleveurs, de très bons éleveurs. Vous avez conscience qu'ici vous êtes attendu parce qu'il y a finalement assez peu de commerce ? Je suis attendu, je sais, je sais, et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Je crois, Thierry Hervieu, que vous avez aussi en tête, évidemment, puisque dans quelques années, vous allez probablement transmettre votre commerce, de le transmettre à un jeune avec l'idée que ce commerce perdure. Voilà. On en a déjà parlé avec un petit jeune, un petit gars très sympa, un bosseur, et que je suis en train de lui transmettre tout ce que j'ai appris, moi, et j'espère que son avenir sera là. Il va construire, je pense, à Poulaouen. Donc, son avenir sera là, dans cette petite boucherie-là. Je pense qu'il y a encore... On a encore notre place, quoi. Voilà. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci, monsieur Hervieu. De rien. C'est moi qui vous remercie. À 200 mètres de là se trouve l'école. C'est ici que Bonjour. Bat le cœur de la commune. Enchanté. Alors, bienvenue, c'est ici. À l'école de Poulaouen. Bon, je crois que c'est l'heure des activités. Effectivement, oui. Nous allons, d'ici peu de temps, commencer les activités périscolaires. Donc, Eh ben, parfait. Comme toutes les semaines. L'école de Poulaouen est l'une des rares écoles à avoir conservé la semaine de 4 jours et demi. En début d'après-midi, les enfants n'ont pas classe, mais théâtre. Et on s'arrête à l'étage des caméramans. Ça
Ça se passe très bien, on voit que les enfants sont heureux de faire les activités, qu'elles soient avec moi en théâtre ou en art plastique ou à la bibliothèque ou dehors en jeu. On voit que voilà, c'est apprécié par les enfants, les parents notamment, donc aussi. Donc oui, je pense que c'est un bel atout pour l'école de Poulaouen, oui. Et ton école, tu la trouves comment ? Je trouve que c'est la meilleure. Et la vie à Poulaouen ? Oh, c'est super parce qu'on habite près de l'école, de l'église et de l'épicerie et tout ça. Et on peut se balader parce que c'est pas une très grande ville. Alors. Vous allez déballer votre petit morceau de pâte. Au village, tout le monde a approuvé le maintien de ce rythme. La commune n'a ni le budget ni les infrastructures pour proposer une offre culturelle et de loisirs variés. Alors les activités périscolaires sont une aubaine et il y en a pour tous les talents. Je suis en train de couper de l'argile pour la dessiner après. T'aimes bien ça, l'art plastique ? Ouais. Pourquoi ? C'est amusant, puis on fait des choses hyper jolies. Cette année, l'école accueille 72 élèves. C'est plutôt positif, c'est vrai que la population, voilà, comme toutes les populations, je pense, de Centre-Bretagne vieillit, il reste encore malgré tout de jeunes parents qui souhaitent s'installer, qui viennent vivre à Poulaouen, amenant avec eux du coup leurs enfants et nous permettant de nous maintenir à un effectif stable depuis quelques années. Merci Monsieur Le Cam, merci de votre accueil. Bah, merci à vous, c'est super, c'est gentil d'être venu. Avec plaisir, au revoir les enfants. Au revoir. Parole de citoyen, c'est terminé pour aujourd'hui. Place maintenant à votre information régionale.